Son pelage est recouvert de graines et de débris végétaux. La preuve qu'en un mois, Babette a déjà bien rempli sa mission. Elle débroussaille avec d'autres ânes le plateau Engeland à Uccle. C'est la plus sociable des 5 individus. Et donc elle vient volontiers se faire caresser. Ils sont encore un peu timides, mais elle apparemment prend le devant. Ce nouveau projet d'éco-pâturage répond aux exigences écologiques de la zone, classée Natura 2000. Les 6 hectares abritent différentes espèces protégées comme des chauves-souris. Pour les préserver, il faut ouvrir l'espace, un travail de longue haleine. Avec le temps, cette zone s'est enfrichée faute de gestion, et donc elle perd sa qualité écologique, elle perd sa diversité. Et l'idée est de réouvrir ces zones, de restaurer la végétation d'origine. Et nous avons choisi d'utiliser des ânes pour faire un débroussaillage sans devoir intervenir nous-mêmes. Ronces, arbustes et plantes invasives comme le cerisier tardif d'Amérique du Nord, l'appétit des ânes n'a pas de limite. Et ces jardiniers particuliers ont bien d'autres intérêts. On ne doit pas intervenir avec des hommes, avec des machines. Donc ça nous permet de gagner du temps pour travailler dans d'autres zones. Et c'est aussi intéressant au niveau environnemental, puisque pas de machines, pas de consommation énergétique. Donc c'est favorable pour le bilan carbone. Et bonne nouvelle pour Babette et ses compagnons, l'enclos s'ouvre cette semaine à un 6e pensionnaire.